Elsa Fayer et je suis là pour vous parler de la saison 4 inédite des 10 couples parfaits. C'est un jeu de séduction où on se retrouve avec 20 candidats et les 20 candidats ont un match parfait dans le jeu qu'ils doivent trouver. Ils ont 10 semaines pour se découvrir et si tous arrivent à déterminer qui est son match parfait, ils se partagent la somme de 200 000 euros. Alors en fait, comment sont déterminés les matchs parfaits pour cette aventure? En fait, chacun d'entre eux, chaque candidat, va travailler en amont avec un matchmaker qui va faire sa connaissance, qui va déterminer son profil amoureux, qui va s'intéresser à ses histoires passées, à ses histoires futures, probables, va déterminer vraiment son profil psychologique. Et après, la production se met en branle pour trouver la personne qui leur correspond le plus. J'adore la cérémonie des couples. Parce que c'est vrai qu'à la fin de la semaine, on se retrouve, ils me font une proposition de combinaison. C'est un moment aussi où on fait le point de la semaine, où je fais le point sur leur aventure sentimentale, où je fais leur point sur leurs envies, je fais leur point sur leur personnalité, je fais le point sur leur évolution. Et c'est un moment qui est bourré de charme, qui est un moment très sincère entre nous, et c'est un moment que j'adore. Après, j'adore aussi tous les moments de Love Machine, où on les voit rentrer dans cette machine infernale, et personne ne sait s'ils vont valider ou pas un match. Et c'est toujours une grande surprise pour nous tous de savoir s'ils avancent ou pas dans le jeu. Il y en a beaucoup des secrets, il va y avoir beaucoup de rebondissements. Je peux vous dire une chose qui va venir encore ajouter de l'enjeu à cette saison, des proches vont s'inviter à l'aventure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve tous les soirs sur TFX à 19h pour la saison 4 inédite des 10 couples parfaits. À très vite.